Bonjour à tous, c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver pour la présentation d'un oracle, le murmure de l'océan. Donc c'est un oracle d'Angela Hertfield qui a été édité au mois de juin, si je ne me trompe pas, aux éditions Vega. Comme d'habitude, je vous mets la référence juste en dessous, en barre d'infos. Et c'est un oracle, forcément, qui va vous plonger au cœur de l'été, dans les océans. Avec à l'intérieur, vous avez, je crois, 50 cartes, oui, c'est ça, 50 cartes qui ont été réalisées, illustrées par Ekaterina Golovanova. Golovanova, je ne me suis pas trompée, pas facile à prononcer. Et on a vraiment cette idée d'aller puiser dans les ressources de l'océan, des animaux qui sont des animaux marins. Et j'ai beaucoup aimé hein, ce jeu, donc je vais vous le montrer tout de suite. Là, il m'accompagne en ce moment, puisque au moment où je tourne cette vidéo, on est mi-août. Et on est complètement dans le thème. De toute façon, c'est pas pour rien qu'il est sorti en juin. C'était vraiment pour pouvoir coller à l'été et puis se plonger dans un beau, dans un bel oracle aux couleurs de l'été. Donc on a un livret en noir et blanc. Ce que je vous propose, alors, est-ce que, voilà, comme d'habitude, ben, on a toute une introduction qui va vous expliquer comment utiliser les cartes, hein, qu'on retrouve un peu comme d'habitude, une introduction sur l'oracle, ensuite sur justement vraiment les cartes et l'objectif du coffret Murmure de l'océan. Avec cette idée vraiment de vous connecter à la sagesse de l'océan, comment utiliser les cartes oracles, donc comment préparer vos cartes, poser une question, interpréter les cartes. Vous avez des petits conseils pour battre les cartes, choisir une carte. Et puis vous avez des tirages. Alors le tirage à 5 branches. Alors moi je vous avoue que j'ai pas testé les tirages, donc ça va être difficile pour moi de vous donner mon ressenti par rapport à ça. Je vous lirai, on tirera une carte à la fin pour vous lire justement un texte pour savoir si vous c'est des textes qui vous parlent. Moi je les ai bien aimés et ce que j'ai bien aimé surtout c'est que on a déjà un petit texte d'introduction ici et ensuite on a un développement qui se fait par la suite. Donc ça j'aime beaucoup cette façon de faire. Voilà. Et pardon, à la fin, vous avez quelques petites pages de notes pour vous, pour prendre en main un petit peu le coffret, mettre ce que vous avez ressenti, peut-être des ajouts à certaines cartes, pourquoi pas. Et un petit à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Il arrive avec une pochette en satin. Et nous avons donc les cartes qui sont assez grandes. Alors, je les ai remises dans l'ordre, mais peut-être pas toutes. On va voir ça ensemble. Donc, on a un vernis mat ici. On a le dos des cartes que vous voyez là, qui reprend l'illustration de la boîte et qui reprend la première illustration. Vous voyez le titre de la carte et vous voyez aussi en bas le fameux petit texte dont je vous parlais, petit texte d'introduction que je vous ai mentionné en fait dans le livret, que je vous ai montré dans le livret. Donc vous l'avez aussi sur la carte. Je trouve les illustrations vraiment très belles. En fait, quand je pense à l'océan, je pense à ce type d'illustration aussi. Si vous avez mon âge, et ça va peut-être vous faire penser à ça, alors c'est une petite anecdote, mais quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, on avait chaque année, moi j'avais le droit chaque année de choisir un classeur. Et dans les fournitures scolaires, pardon, un classeur et mon agenda. Et il y a eu une ou deux années où il y avait toute une série sur l'Atlantide, les mystères de l'Atlantide. Et du coup, c'était vraiment ce type d'illustration. Donc il y a ce petit côté nostalgique pour moi qui vient s'installer. Voilà, en revoyant ces illustrations, ça me fait vraiment penser à mes années de lycée. Voilà, c'est typiquement ce genre d'illustration-là.
Et comme en plus j'ai grandi au bord de la mer, sur le bassin d'Arcachon, j'ai fait mes études aussi après à Bordeaux, donc je suis toujours restée au bord de la mer dans mon enfance. Donc c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Je voulais être océanologue quand j'étais petite. Bon, je vous parle de moi, je ne vous parle pas beaucoup du jeu, mais de toute façon je vous laisse vraiment apprécier les illustrations, parce que pour choisir un jeu, pour moi, il faut vraiment que les illustrations vous plaisent, que ça vous donne envie en fait de travailler avec le jeu. Je pense que c'est l'essentiel. Donc avoir mon propre ressenti à moi, ça ne va pas vous aider énormément pour savoir si vous pouvez travailler vous avec ce jeu, si c'est quelque chose qui vous parle. Alors pour vous lire un petit texte, ici par exemple on a « Merveille inexpliquée, des bienfaits magiques et des miracles interviennent dans votre vie. Toutes vos prières seront exaucées dès maintenant. » Pour celui-ci, on a par exemple « Sauter en l'air, un plan que vous avez élaboré est en route. Si vous attendez un événement, mettez-vous au travail et cessez de reporter les idées ou les projets que vous examinez. » On a « Affronter nos peurs. » Connectez-vous à la source, détachez-vous des résultats, soyez perspicace et solide, dévotion enfantine pour la dernière carte. Au niveau de la texture des cartes, donc je le disais, on a quelque chose de mat. C'est très joli, ça fait, les illustrations ressortent bien, c'est légèrement plus fragile, entre guillemets, si vous voulez l'emmener dans votre sac de plage avec vous, ou à un endroit où il y a de l'eau, que le vernis brillant. Donc faites attention simplement un petit peu plus à vos cartes. Voilà. Et on va tirer une carte. Alors ce sont des grandes cartes, hein, vous voyez, moi je peux pas prendre tout le paquet en main. Donc on va le faire comme ça. Et nous allons prendre cette carte-là. Projet mutuellement bénéfique. Je vous fais un petit zoom. Voilà, que vous en profitiez bien. Et je vais vous lire le texte. Décidément, je fais tout bouger. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, ça me donne l'impression d'être maladroite. Alors, projet mutuellement bénéfique. Il y a une connexion extraordinaire au premier rang de votre vie en ce moment. Utilisez cette relation pour avantager tous ceux qui sont concernés. Approfondissez votre conscience d'une relation qui peut être d'amour, d'amitié ou de travail. Cette carte indique que l'esprit de coopération et d'intérêt mutuel soutient cette connexion. Assurez-vous de faire tout le nécessaire pour héberger une meilleure communication et renforcer ce qui est déjà en place. Utilisez l'équilibre, le respect, la compassion et la compréhension, car ces caractéristiques amélioreront toutes vos relations. Cette connexion peut offrir une nouvelle perspective ou une nouvelle vision. Efforcez-vous de devenir plus doux et attentionné, non seulement envers une personne chère, mais également envers vous-même. Pour être vraiment aimé, profondément chéri et hautement estimé, créez ces sentiments pour vous-même. Travaillez à vous aimer davantage et à avoir une haute estime pour la vérité de qui vous êtes. Quand vous connaissez votre valeur, les autres ne peuvent que réagir d'une manière aussi affirmative. Les poissons-clowns et les anémones de mer ont une relation spéciale. Les anémones peuvent paralyser et tuer leur proie dans leurs tentacules urticantes, mais les poissons-clowns sont immunisés contre leur venin. Leur peau est couverte d'un mucus, qui les empêche de sentir la piqûre des tentacules. Ils vivent donc en partenariat avec certaines espèces d'anémones et s'abritent dans leurs nombreuses tentacules. Ils sont ainsi protégés des prédateurs et en retour, ils repoussent certains éléments dangereux pour les anémones. Voilà pour la co-création, les projets communs. Voilà pour l'oracle Murmure de l'océan. N'hésitez pas à me dire vos ressentis en barre d'infos, à partager vos ressentis en barre d'infos. Je vous souhaite une très très belle journée et prenez bien soin de vous. Bye bye.